Le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soreau, a dans les échanges avec ses partisans, le vendredi 31 décembre 2021, affirmé qu'il entend dire qu'il y a menace de dissolution du PDCI. Cependant, jusque-là, la direction du parti d'Henri Conan Bédier n'a pas indiqué qu'il y avait une telle menace. Quelqu'un a parlé de dissolution de GPS. J'y entends dire qu'il y a aussi des menaces de dissolution du PDCI. Moi, je suis serein, je garde ma sérénité. Comment peut-on dissoudre une idée, une philosophie, une âme, un esprit? On ne peut pas dissoudre des idées philosophiques. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'ardeur, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'adressait aux militants de son parti, dans une vidéo en direct sur sa page Facebook. La brutalité qui a frappé le GPS n'a pas entamé la détermination des uns et des autres à faire en sorte que notre mouvement grandisse. Je demande aux militants de GPS d'être sereins. Mais ce qu'il faut, c'est l'unité de l'opposition politique. Guillaume Soreau pointe du doigt l'unité des partis politiques. Car selon lui, son parti se bat seul. Quand on parle de la dissolution de GPS, les autres sont assis. Ils regardent. GPS se bat seul. J'entends certains dire, apostrophe GPS est dissous. Comment peut-il être dissous? Si on laisse faire, demain, ce sera au tour du PDCI, du FPI et des autres partis. C'est pourquoi, je vous demande de garder confiance, relève-t-il. Notons que jusque-là, la direction du parti d'Henri Conan Bédier n'a pas indiqué qu'il y avait une telle menace.